une autre propriété à vous présenter aujourd'hui. On est au 55 de la rue Jacqueline à Saint-Athanase, maintenant appelée Saint-Jean-sur-Richelieu. On se trouve du côté d'Iberville, pour les gens qui connaissent le coin par rapport à Saint-Jean. On a la rivière le Richelieu qui part juste ici en avant, on va vous montrer. Donc, 55 Jacqueline. Le produit qu'on vous montre, c'est une maison modulaire sur laquelle il y a eu beaucoup de réparations, rénovations. En bonne condition, revêtement vinyle, toiture en bardeaux d'asphalte. Le bâtiment, il y a 14 par 60, donc ça vous donne un 800 pieds carrés habitable. Ça a été construit originalement en 1972. Le terrain ici, on parle d'un terrain en location. On est sur un parc de maisons mobiles ou modulaires. La location est de 307 par mois pour le terrain. Donc, c'est un coût que vous payez à tous les mois. C'est une location pour un terrain. Et l'avantage qu'on va y voir, parce qu'il y a toujours des avantages, c'est le prix versus la proximité de tous les services. Et souvent, c'est idéal pour premier acheteur, jeune famille ou aussi personnes retraitées, personnes qui vont passer l'hiver un peu plus dans le sud. Mais c'est un produit intéressant à bon prix, on dit. Donc, on est juste au coin de la rue Jacqueline, ici. On a un accès au bord de l'eau et on a une vue sur l'eau, sur la rivière Richelieu, qui est juste ici. On va pouvoir y jeter un petit coup d'œil entre deux propriétés. Donc, ça, c'est vraiment la rivière Richelieu. Et de l'autre côté, pour se situer, on est vis-à-vis Saint-Luc. Et maintenant, c'est toute la même chose. On appelle tout ça Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, un petit secteur super tranquille, on me fait voir, mais tant qu'à louer un appart avec le haut prix des apparts aujourd'hui, je vous dirais, vous êtes pas mal mieux d'acheter cette propriété-là, laquelle va prendre de la valeur dans le temps de façon automatique. Sur le côté ici, bien, vous avez deux espaces de stationnement et un accès à la terrasse qu'on a ici. Et ça inclut aussi une très grande remise à l'arrière. Comme vous pouvez voir, c'est très bien. On est peut-être à même pas 5 minutes de l'autoroute 10. Tiens, on va aller découvrir le 55 Jacqueline. Bon. On va être mieux à l'intérieur, finalement. Ce ne sera pas tellement long. Encore une fois, c'est temps d'enlever tout ça. Et on va vous faire découvrir l'endroit. Un des points intéressants de la propriété ici, les gens ont fait installer deux thermopompes murales. Donc, ça se trouve être pratiquement leur système de chauffage principal. Et on retrouve aussi des plaintes électriques partout dans la maison. Les gens ont fait des rénovations dernièrement qu'on va vous montrer. C'est quand même bien agréable. Tiens, on va commencer de ce côté ici. Donc, salle de bain. Salle de bain complète, vanité, cabinet, bain-douche et on a l'installation laveuse-sécheuse juste derrière la porte. Donc, revêtement de plancher, c'est du linoleum qui est là. Vous pouvez voir, donc, c'est tout ce qu'on a besoin finalement. La maison a deux chambres. Donc, on a une première. Elle avait trois chambres originalement. Comme vous pouvez voir. Et les gens ont enlevé la cloison entre les deux pour faire une plus grande chambre avec. Donc, une chambre qui est là, on a deux espaces rangement, une de chaque côté. Et notre chambre principale qui est ici. Comme vous allez voir. Donc, grand rangement qui fait tout le mur de ce côté-là. Les planchers, des planchers flottants qui ont été refaits à la grandeur de la maison. Donc, ça devient votre chambre principale.
Quand tu recules, tu fais pas bip bip, toi? Non? Une aire climatisée. C'est pas vrai. C'est une thermopompe murale ici au passage. On vous en a tantôt. On en a deux. Et de ce côté-ci, notre espace à la dîner cuisine. Donc, beaucoup de rangements. Des grandes fenêtres. Fenêtre qui est là, ça vient d'être remplacé. Ça, ça a été refait. Et on a un accès extérieur à l'arrière de ce côté-là. Donc, de l'espace pour la vaisselle, cuisinière, frigo, la hotte. Et évier de ce côté-là. Et notre espace salon. La partie ici, on peut le remarquer, c'est plafond cathédrale. Donc, ça nous donne plus d'espace en hauteur. Et notre partie salon ici, fenêtre remplacée encore une fois de ce côté-là. On peut voir que c'est à air ouverte. C'est bien. Comme j'expliquais tantôt, c'est l'endroit idéal, je vous dirais, pour premier acheteur, personne seule. On a beaucoup de gens présentement qui sont des personnes seules, qui deviennent propriétaires. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 5 ans même, mais de plus en plus, on rencontre ça. Compte tenu du prix des loyers, hein, on s'entend qu'un logement ici dans le secteur, on ne trouve plus rien, bien de potable, en bas de 11, 12, 13 cents et même plus par mois. Les détails de la propriété, donc on parle de taxes, les taxes municipales et scolaires, c'est au total de 844. Comme vous pouvez voir, les taxes, c'est fort abordable. Les coûts d'énergie, c'est 1060 par année. Le système d'égout, c'est le parc qui fournit le système d'égout et pour l'eau, on est approvisionné sur notre puits. Okay, la toiture a été refaite en bardeaux d'asphalte en 2009. Le terrain, c'est une location à 307 $ par mois. Nos proximités par rapport ici, l'autoroute Cégep, école primaire, secondaire, garderie, CPE, hôpital, parc, piste cyclable, vraiment tout très, très près. Les inclusions, ce qui vient avec la propriété, on parle de luminaires, ventilateurs, les pôles, les rideaux, le lave-vaisselle est inclus, nos thermopompes, on a un système de douceur d'eau aussi qui est inclus. Les porte-miroirs, les remises à l'extérieur, ça vient tout avec la propriété. Les deux fenêtres qu'on parlait, la porte d'entrée, ça a été remplacé en 2021. Comme je parlais tantôt, on est sur un terrain en location à 307 $ par mois. Ici, au niveau de l'occupation, c'est quand même flexible. Il s'agit de voir pour quand vous cherchez et pour quand les gens sont prêts à quitter. Donc, c'est quand même assez flexible de ce côté-là. Le prix demandé pour la propriété, on est à 147 500. Ça inclut les inclusions que je vous ai dit tantôt, la condition de la maison. Comme je vous ai dit, je reviens un peu sur ce point-là. Oui, c'est fort intéressant d'acheter ça ici au lieu de vous louer un appartement. Ici, au moins, vous allez pouvoir capitaliser sur la propriété avec le temps. Donc, 147,5. La propriété vous intéresse, mais vous nous contactez. C'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook. Notre site, c'est robertnael.com. Pour un rendez-vous, une visite, vous nous contactez. On vous fixe un rendez-vous comme assez rapidement. On a une bonne flexibilité pour les visites ici. Et sûrement que ça va vous plaire. Il faut venir voir, il faut venir constater. Il faut calculer les revenus, les dépenses que ça peut vous occasionner. Vous allez voir, vous allez en sortir nettement gagnant. Donc, vous nous contactez. À partir de là aussi, en passant, on peut s'occuper de votre financement avec un agent multiprès à nos bureaux qui est Catherine Labrèche. Pour ce qui est du notaire, un notaire à nos bureaux encore une fois, qui est Maître Luce Moreau pour finaliser la transaction. C'est votre premier achat. Écoutez, on va se faire un plaisir de vous donner un maximum d'informations et vous conseiller vraiment surtout l'information nécessaire et surtout avec le temps actuel de prendre le temps avec vous autres et de vraiment vous mettre en confiance. Donc, bénéficiez de nos 35 ans d'expérience dans le domaine et allez, on va se faire un plaisir de vous transmettre notre passion pour l'immobilier. Merci, bonne journée.